Language debate seems to be heating up again in Quebec. Une première tête a roulé dans la foulée des excès de zèle de l'Office québécois de la langue française. An English sign at an Esso gas station has prompted several complaints. Well, the language police are taking aim at the internet. Quelle mouche a piqué l'Office québécois de la langue française? The owner of this small business also spoke out about being bullied by the Office de la langue française. Provincial language laws are unfair. La loi, c'est la loi. Brace yourselves, there's another language dispute involving a restaurant. Juridique de 4 ans et plus de 18 millions de dollars dépensés en frais d'avocat par l'agence John Street à Montréal, voici que le verdict est tombé. La Cour a tranché en faveur de l'Office québécois de la langue française et l'agence devra changer de nom.